bien sec et je vais voir, je vais faire un petit comparatif avec d'autres choses pour voir ce qui prend le mieux au Fire Steel. The people of Columbus still hear him riding through their dreams. He killed 17 civilians, you could hear the women scream. Blackjack Pershing on a dancing horse was waiting in the wings. Tonight we ride, we'll skin old Pancho Villa, make shafts out of his hide, shoot his horse, Siete Leguas, and his 27 brides. Tonight we ride. Tonight we ride. We rode for 3 long years till Blackjack Pershing called it quits. When Jackie wasn't looking, I stole his fine spade bit. It was tied upon his stallion, so I rode away on it to the wild Chihuahuan desert, so dry you couldn't spit. Tonight we ride, you bastards dare. We'll kill the wild Apache for the bounty on his hair. Then we'll ride into Durango, climb up the whorehouse stairs. Tonight we ride damn old to sit a horse, I'll steal the warden's car, break my ass out of this prison, leave my teeth there in a jar. You don't need no teeth for kissing gals or smoking cheap cigars. I'll sleep with one eye open, 'neath God's celestial stars. Tonight we rock, tonight we roll. We'll rob the Juarez liquor store for the Rey Posada gold. And if we drink ourselves to death, ain't that the cowboy way to go? Tonight we ride. Tonight we ride. Tonight we fly. We're heading west toward the mountains and... Donc, là, ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui, c'est en fait, j'ai trouvé cette semaine, j'ai trouvé des plumes d'oiseaux. Là en arrivant, j'ai trouvé de l'écorce de bouleau. Donc du coup, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est tester un petit peu les différents matériaux pour allumer le feu, voir ce qui marche le mieux. J'ai aussi ramené une cartouche de pistolet avec de la poudre dedans, donc bon, bah ça je me fais pas d'illusions, ça devrait être un bon initiateur de flammes. Et puis, puis pour le reste, bon, on va essayer, je vais essayer les plumes, je vais essayer l'écorce de bouleau, des petits fusards stick, donc voilà. Je vais essayer ça. Donc, je vais commencer par les plumes. Plumes pigeon et puis plumes de cygne. Ça n'a pas l'air de vouloir prendre, hein. Ça se consume, ça sent le cochon grillé, mais ça prend pas. On passe à l'écorce de bouleau. Voilà. Bon bah l'écorce, ça marche plutôt bien, hein. Bon, celle-ci était sur un arbre mort
qui a dû prendre beaucoup de pluie, tout ça, donc c'est un petit peu limite, mais bon, voilà, c'est toujours un petit succès avec les courses de boulot. Voilà, et puis après, on va prendre. Cartouche, une cartouche à blanc, hein, donc il n'y a pas de galère. Ah, donc ça a fait une flamme assez vive. Ça a brûlé très rapidement, mais du coup ça n'a pas eu assez le temps de faire brûler le petit bois. Donc du coup ouais, c'est pas si bien que ça en fait. Ça prend très très bien, mais ça brûle trop vite. Je me renseignerai, mais c'est une sorte de grande liane qu'on croirait morte, alors qu'en fait elle est bien vivante, mais c'est l'extérieur qui est comme ça, qui s'enlève tout seul. Pas comme ça. Je voulais vous parler de petits pantalons que j'ai fait à l'acquisition il y a une petite semaine. J'ai pas eu le temps de tester. C'est la première fois que je le mets. En fait, c'est pas un pantalon typiquement bushcraft ou quoi que ce soit. C'est un pantalon de travail. C'est comme un bleu de travail d'entreprise. Et en fait, je trouve ça vachement bien parce que au niveau de la couleur, c'est nickel. Et surtout au niveau des poches, il y a beaucoup, beaucoup de poches. Avec en plus des petites sortes de petites sacoches sur les extérieurs qu'on peut mettre soit devant, soit derrière. Donc du coup, ça rajoute de la place pour mettre ce qu'on a à faire, mettre ce qu'on veut. Donc du coup, bah, il y a les poches. Voilà, il y en a un peu partout, j'ai pas compté, hein, mais il y en a une là, une là, une là. Là, il y a quatre poches, deux petites, une, trois poches, deux petites, une grande. Il y a une poche au niveau du fessier. Et pareil de l'autre côté. Trois poches. Une poche là, une ici, une petite là. Et puis là, en fait, au niveau des genoux, ça s'ouvre. Et puis on peut rajouter des genouillères quand on travaille au sol ou quoi. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi, on peut aussi ramasser ce qu'on trouve ou quoi. Des petites choses qu'on peut mettre directement là. Ça fait gagner encore une fois une poche. Donc voilà, ça a l'air solide. Et puis je vous mettrai la marque et le modèle dans la description. Et puis j'ai acheté ça 20 euros sur le Bon Coin. Je crois que ça vaut 45 euros au magasin, j'ai vu sur internet. Voilà, c'est la marque Panoply Delta Plus. Voilà, on verra dans le temps ce que ça vaut.
qui chante, mais je sais pas trop ce que c'est. Bon, bah il est 5h moins le quart et petite fraîcheur du matin. Donc du coup, je vais rallumer un petit feu et puis faire peut-être un petit café. Bon, ben voilà, lever du jour, il est 6h30 et je vais pas tarder à tout remballer. Voilà, moi j'ai un tas de choses à faire aujourd'hui, donc je vais pas trop traîner. J'ai plutôt bien dormi jusqu'à ce que je sois réveillé par la fraîcheur. En fait, j'étais juste dans mon duvet et dans mon hamac. Voilà, j'avais pas mis de tapis de sol dans le hamac ou quoi que ce soit, donc j'ai eu une petite fraîcheur au niveau du dos. Voilà, donc je me suis levé, j'ai refait un feu, j'ai bu un café, et puis du coup je me suis pas recouché. Voilà. Il y a un sanglier qui est passé tout à l'heure, il y a un petit quart d'heure, il faisait un petit peu encore sombre. Il est passé comme une balle, à encore 7-8 mètres de moi là. Et puis après il s'est arrêté, et puis il a commencé à s'approcher gentiment. Mais bon, voilà. J'ai quand même essayé de faire un petit peu de bruit pour éviter qu'il soit surpris et qu'il me charge ou quoi que ce soit. Donc voilà, après il est reparti gentiment. Et puis nickel. Voilà. Bon, bah, à la prochaine.